Salut les gardiens, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit dans laquelle on va tester un gant de la marque Elite, le Neo Red. C'est une marque de qualité, donc on va tout de suite embrayer avec le test. Dans un premier temps, on va vous parler de la structure du gant, faite d'un seul manchon de néoprène, plusieurs qualités, le flex, aucune entrave, ça gêne pas du tout. Autre grosse qualité, le confort, une fois que votre main est glissée à l'intérieur, c'est super confortable, c'est très agréable au toucher. Le néoprène, c'est un matériau qui s'adapte à toutes conditions, qui fait très froid aujourd'hui. C'est un grand oui pour cette structure, surtout dans ces conditions-là. Sur cette structure en néoprène reposent des inserts en caoutchouc de 4 mm d'épaisseur. Normalement, ça devrait vous protéger pendant les revois en point. J'en ai fait les frais, honnêtement, ça protège vraiment pas beaucoup. C'est plus là comme un second grip pour vous aider lorsque vous allez renvoyer au point, mais c'est pas exceptionnel. Entre les doigts, vous avez des goussets en mèche qui permettent une bonne respirabilité, à contrario du néoprène, lui, qui va retenir la chaleur et laisser peu passer l'air. Donc on a vraiment un bon équilibre pour maintenir la main dans de bonnes conditions de température. Concernant la coupe, on est sur une coupe caractéristique de Elite, la Speed Cut. Cette coupe si particulière, c'est une coupe hybride. C'est en couture plate à la base du doigt et ça finit en coupe évolutive hybride sur le bout des doigts. Ça permet vraiment une très bonne sensation lors des prises de balles. Donc ça, c'est le point fort. Sur l'index et sur le petit doigt, vous avez vu, c'est enroulé. Le feeling et la proximité avec le ballon est inégalable. Je ne connaissais pas du tout cette coupe. Ils ont maximisé à l'enrouler autour des doigts aux extrémités. C'est vraiment le point fort de ce gant. On est sur un pouce en couture négative sur l'avant avec un énorme retour sur l'autre côté. Donc pareil, pour agrandir la zone de contact avec le ballon sur ce type de gant proche de la main, c'est très agréable. On se sent plus en sécurité. Et surtout, un petit cut entre le pouce et l'index en lycra pour éviter toute tension et toute déchirure. Parce que ça peut se craquer dans cette zone-là. Concernant la paume, on est sur une paume Elite S-Tech 5000B de 4 mm avec 4 mm de mousse amortissante. Ça va offrir un très bon grip. Alors ça, sur le point de vue du grip, on a adoré. Le grip est vraiment costaud. Là-dessus, vous ne serez pas déçus, on était bluffés. Les ballons collent. C'était un plaisir de faire chaque prise de balle. Concernant la résistance à l'abrasion, après 2h30 de tournage avec un gant extrêmement mis à contribution, ça n'a pas trop bougé. Hormis sur les zones sur lesquelles on s'y attendait, les extrémités, surtout le petit doigt et l'index. Mais globalement, c'est un latex très, très costaud. On a été étonné. À titre de comparaison, ça s'approche des standards d'un latex contact. Le système de fermeture, il est un peu spécial. En fait, c'est un seul bandeau de néoprène qui va faire un tour avec une grosse accroche et un petit argot sur le bout. Il y a un cut sur le côté avec un élastique qui va permettre au gant de fitter parfaitement votre poignet. Vous ayez une anatomie de poignet large ou fine, ça va s'adapter. Le maintien est très correct sur ce Neo de chez Elite.
Dans l'ensemble, c'est vraiment un gant qu'on a adoré pour toutes les qualités qu'on vous a énumérées précédemment. Les qualités telles que le grip, le confort, l'ergonomie, c'était un régal. C'est un gant qui coûte aux alentours de 110 euros. Il est un tout petit peu onéreux. C'est un bon gant de match. Utilisez-le uniquement en match. Peut-être pour certains types d'entraînement tels que des oppositions, on vous le conseille. Aujourd'hui, quand même, il faut savoir qu'on a fait un spécifique avec beaucoup de plongeons. Avec un bon entretien, je pense qu'il vous durera longtemps. Mais en tout cas, la qualité du grip permet de grandes performances. Si vous faites un 9, prenez le gant en taille 9. Ça taille normalement. Et pour son utilisation, préférez les terrains en herbe. Mais sur synthétique, ça fera totalement l'affaire aussi. Pour ceux qui n'aiment pas le rouge, ce gant existe aussi en noir. Même matériaux, même caractéristiques, même coupe, même latex. Bon les gardiens, on arrive au terme de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié comme d'habitude. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez le moindre commentaire, il y a la zone de commentaires bien sûr, juste en dessous. Il y a aussi les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Twitter, Instagram, Facebook. D'ici là, portez-vous bien, soyez invincibles. Entre vos deux poteaux et on se dit à la prochaine chez Keeper Spirit. Ciao les gardiens. Allez, ciao.